Ce jeudi 29 juin, Julia Vignali a présenté pour la dernière fois Télématin sur France 2. L'animatrice ne va pas bien loin, puisqu'elle sera à la rentrée aux commandes de l'émission Affaires conclues. Pour son dernier passage aux côtés de Thomas Soto, elle a tenu à remercier ses équipes et les téléspectateurs. C'est une page qui se tourne pour Julia Vignali. Ce jeudi 29 juin, l'animatrice a fait ses adieux à Télématin, émission qu'elle a co-animée pendant 2 ans aux côtés de Thomas Soto. La compagne de Kad Merad ne quitte pas France Télévisions puisqu'à la rentrée, elle reprendra les rênes de l'émission Affaires conclues à la suite du départ de Sophie Davant. Dans les dernières minutes de l'émission, Thomas Soto a pris la parole, confiant tout d'abord qu'il avait un peu le seum. Et de poursuivre, si est ta dernière Julia, on te retrouve dans Affaires conclues à la rentrée. Je te soupçonne d'avoir un peu choisi les grasses matinées quand même. Julia Vignali quitte Télématin, l'hommage de Thomas Soto sur France 2. Il a ensuite tenu à la remercier pour ses 2 ans de collaboration. On s'est bien marré. Il y a de la bonne humeur tous les matins. Julia est une fille qui est d'une humeur égale tous les jours, elle est contente d'être là tous les jours, parce qu'on passait quand même 12 heures par semaine en direct à l'antenne. Si est une vraie vie de couple, d'ailleurs elle m'appelle son mari de télé, et j'ai été un mari de télé comblé, a-t-il confié. Ce à quoi la principale intéressée a répondu, il a été un mari de télé fidèle et je te remercie parce que ce n'est pas le cas de tous les maris de France. Après la diffusion d'un best-of de ses meilleurs moments dans Télématin, Julia Vignali a reçu de la part de Thomas Soto un stylo un peu particulier, elle qui perd le plus de stylos au monde. D'un côté, il y a Télématin pour que tu ne nous oublies pas et de l'autre, il y a Affaires conclues parce qu'on te souhaite bonne chance dans ces nouvelles aventures et tu reviens quand tu veux, a poursuivi le journaliste. J'ai eu la chance et l'honneur de vous réveiller tous les matins. Après l'avoir remercié, Julia Vignali a fait ses adieux à Télématin, en s'adressant tout d'abord à son acolyte. Je voulais vraiment te remercier de m'avoir accompagné pendant ces 2 ans. Merci pour ton accompagnement, a-t-elle commencé. Et de poursuivre, un grand merci aux chroniqueurs qui m'ont accueilli avec bienveillance. Je voulais remercier les techniciens. On a partagé de très jolis moments ensemble. Un grand merci également à mon équipe rapprochée. Je parle cœur léger et je vous laisse avec l'excellente journaliste Marie Portolano qui a mangé les mêmes gâteaux que moi, mais ça se voit moins sur elle. Et puis je voulais vous remercier vous, les téléspectateurs de Télématin. J'ai eu la chance et l'honneur de vous réveiller tous les matins, merci de m'avoir accepté à la table de votre petit déjeuner, on va donc se retrouver tous les après-midi. Je vous embrasse parce que je vous aime, a-t-elle dit.